Veuillez excuser cette interruption momentanée de votre programme. Le sage vous prie de bien vouloir l'excuser, mais se trouve exceptionnellement perturbé en plein direct. Merci de vouloir patienter jusqu'à son retour. N'oubliez pas que vous pouvez jouer dans le chat, au jeu de la pêche, par exemple, pour vous faire passer le temps. Sauf que c'est moi qui ne comprends plus ce que j'ai programmé. Je sais plus. J'ai programmé une transition de scène, mais je sais plus comment ça marche. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis largué dans mes propres commandes, ça fait peur. Je sais plus, c'est pas grave. Bon bref, besoin de me détendre. Je vais m'en faire une petite flipper. Comprenez bien les clics en bon français. Pourquoi c'est lent? C'est vrai que c'est lent, je comprends pas. Oh merde, j'ai pas déclaré la bonne catégorie. Bonjour, que je passe en une commande. Bonjour, Jay, j'espère que tu vas bien. Oula, oula, c'est hyper saccadé. Alors du coup, je profite de cet après-midi, et je vous ai dit que j'essaie de diffuser un peu en semaine exceptionnellement. Ça va, une fatigue, j'aurais plus de morale que physique. Voilà, c'est pour ça que je diffuse cette semaine, je suis dans des conditions bizarres, spéciales. Il y a des travaux. Les travaux font un vacarme d'enfer. Donc, c'était la semaine où je pouvais faire des trucs, on va dire, en extra. Bref, j'espère que ça s'entend pas trop le coup de... pas de marteau piqueur, mais... oui, il faut bien que ça se fasse, je pense bien. Mais, voilà. Bref, ça doit se voir, hein, je suis un peu dans les vapes. J'ai besoin de lâcher prise. Besoin de décompresser. Et toi, tu vas bien, Jay, c'est cool, c'est bien. Et puis du coup, depuis lundi, de temps en temps, devant mon ordi, j'essaye de bidouiller, un peu de bricoler dans ma coulisse de chaîne. Donc il y a du nouveau. Là, j'ai programmé non, des transitions légères de scène. Oula, t'as eu des trous dans ta route pendant au moins 6 mois. Oh la vache, ouais, c'est terrible. Donc là, je change des plans de scène. Enfin, je les appelle par cœur. Et celle non, qui doit me convenir, c'est celle-là. Je crois que là je coupe la... Non, je coupe pas la caméra. C'est 6 où je coupe la caméra. Non, si j'ai pas de bêtises. Non, ça a pas l'air de marcher, j'ai l'impression. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je change, je déteste. Attendez-moi que je vais vérifier mon truc. Bien sûr, la transition se fait là, c'est tableau mystère. Ça, c'est quoi? C'est. Ah, pour les compilations, quand je suis en pause, il faudra que je me fasse un écrit. C'est pas mal, ça fait plus bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon bref, je vais essayer de découvrir le jeu de flipper. Alors, moi je suis dans la nostalgie parce que quand j'étais ado, j'avais droit à la démo gratos où il y avait juste le premier tableau, l'Android. Et pour l'anecdote, le tableau de l'Android, là je l'avais piraté quand j'étais collégien. Je m'étais armé d'un éditeur hexadécimal et j'avais bidouillé l'exécutable original du jeu pour avoir des billes infinies. Mais ça avait marché. Alors d'ailleurs, le 4 mai au soir, je pourrais faire un direct réaction pour le direct de Catch Backlash. Le 4 mai, oh merde, c'est loin le 4 mai. Mais ouais, n'hésite pas à le signaler. D'ailleurs, je me demande, tiens, dans la technique, à partager l'info, je veux dire, faire ta communication, Jack. Dans la technique, je sais qu'il y a Bastos, là, tu partages le Discord avec lui, Jack, et il a une rubrique « Faites votre pub », je crois, hein, comme il y a chez Christella. Et moi, je me demande si techniquement, je pourrais pas vous shipper avec votre accord, vos pubs à vous, que tout se fusionne dans une rubrique chez moi.
J'adorerais avoir un mur de qui fait quoi d'annoncer. Faudra que j'en discute avec vous tous ensemble si ça peut se faire en... dans la technique, je pense. Hein. Avec votre accord. Ouais, il y a moyen que ça se fasse. Hein. Ah oui, c'est pour ça que j'étais si enthousiaste. Oui, parce que c'est un spectacle qui se passe en France. Et ouais, vous êtes en contact avec un des organisateurs, je crois. Et ouais, c'est génial. Ah oui, il faudra nous faire vivre ça. Mais moi qui suis pas catch, vous le vivez tellement intensément que c'est un bonheur de vous suivre. Bon, je vous avouerai que la deuxième, là, je me suis fait surprendre, c'était dimanche soir. Vous avez fait votre deuxième partie de débrief. Déjà, je crois que l'événement avait été annulé. Moi, je m'étais tenu à l'info de Bastos qui avait dit c'est annulé, voilà. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit reporté. Ce n'est pas la même chose qu'annulé. Et je me suis laissé surprendre, donc j'étais content de voir qu'il y avait du truc dimanche soir, mais ma fatigue m'a rattrapé, et puis je ne vous ai pas dit au revoir, je vous ai pas dit bonne nuit, moi je me suis écroulé. C'était intéressant, mais je suis tombé comme une masse. Mais c'est bien. Oui, Bastos, il est en personne, ouais. Oh, ouais, il sera dans le public. Oui, il avait dit, il sera à la tribune, si c'est, il y a telle arène dans telle organisation. Mais c'est bien, il y a quelque chose d'impressionnant. Là, c'est rigolo, faut avoir le débrief de Bastos. Là, c'est bien, c'est très très bien. Ah là là. Allez, je vais essayer de me frotter un peu à mon... Tiens, vas-y voir que je m'amuse. Alors du coup, je sais même pas si j'ai bien déclaré ma catégorie. Non, il m'a mis Josh Chatting. Non, il m'a pas mis... Ouais, je vois Josh Chatting. Bah alors... Attendez, set game... Oh oh, loupé AJ, bien essayé. Attendez voir si je fais ça. Il me reconnaît la catégorie ou pas? Je m'interroge. J'ai pas l'impression. Ouais, bah je l'ai là, le Big Bimbo. Ah, c'est bizarre, il y en a plusieurs. Bah, c'est bien grave, je vais faire comme ça en manuel à la bonne méthode. Alors, c'est quoi les options? Oh mon dieu, c'est là! C'est là comme à l'époque sur mon ordi. Bonjour FunFan, merci pour le petit coucou. Oui, j'espère que tu vas bien et que tu récupères de tes opérations de santé. Oui, j'ai vu que t'es chez Aerostar. Ouais, faudrait que je lui fasse un coucou, j'étais vilain, j'ai pas eu le réflexe. J'ai vu qu'il se lançait à Aerostar, mais... occupé par pas mal de trucs, je suis pas passé par le coucou, je suis un vilain. Ouais, ça va mieux. Ouais, c'est tant mieux. Et ça va dans le bon sens. Oui, le son est assuré. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre que le son soit si assuré. Ouais, c'est... ça devrait pas être assuré. Ouais, c'est violent. Mais attends, quand je vais jouer, ça va ramener autant que ça? Alors, c'est émulé sur DOSBox. Peut-être que mon DOSBox est... A plus! L'image aussi, ouais. Peut-être que mon DOSBox est mal configuré. Mais c'est bizarre, je l'avais mis sur du Direct 3D, c'est ce qu'il y a de mieux sur Windows. Voilà, ça a l'air correct. Ouais, je sais pas. Comment je fais pour jouer? Oh mon dieu, j'ai 10 ans. Oui, c'est bien avec les shifts du clavier. Wow. Ah.
Bonjour l'anglismos. Oui, bon matin, oui. Merci, bonne journée à toi aussi, je crois que ça va bien. Ah, j'ai besoin de me vider la tête, hein. C'est pour ça que je suis en direct exceptionnellement en semaine. Avec un peu de chance, là, les ouvriers viennent de remballer. Voilà, le non-réflexe. Le non-réflexe du gore. Oh. C'est ingérable, les billes comme ça. Oula! Ça c'est bien. Oh, cet effet de rouleau de printemps. Alors, pardon si ça fait. Ouais, j'ai mes yeux flippers, mais j'ai zéro chance. Ah. Oui, oh, un peu comme moi. Mais. SDN, pour ça je vous lance. Oh, on va faire comme ça. Apparemment, il y avait un accès à de la triche. C'est bizarre la transition de sortie, ça saccade à ouf. Et graphiquement, et dans l'audio, comme vous avez remarqué Edge tout à l'heure. Et ben quoi ? Non, il se passe rien dans la truc de sélection. Là. Bon, ben, on va essayer le pot d'or. Je découvre avec vous là, à partir de maintenant, parce que. Comme c'est la première fois que je joue à la version payante. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ce flipper? Qu'est-ce que c'est cette table? C'est bizarre que la transition soit aussi foireuse. Un jeu d'eau, ça devrait pas. Non, mais je pense que c'est ma dosbox qui est mal paramétrée. Ton son jeu est plutôt fort que ta voix, j'entends à moitié. Ah, et ben voilà une bonne remarque. Merci, Lord Gizmos. Attends, je vais baisser le son du bestiau. C'est quoi cette musique? Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, à l'heure du goûter, on va voir goûter une histoire. Ça fait un peu musique de carrousel. Voilà, ça doit être mieux. Je présume. Alors, il flashing, je sais pas quoi. Ah, les Pression. Ouais. Les nains d'Islande. Elle a l'air minimaliste, la table. Comparé à l'autre qui faisait sophistiqué, celle-là a l'air super simple. Wizebo a dit, @everyone_le_passage_bas_de_bas_nancy vient d'ouvrir son antenne. Retrouvez le sage, dès maintenant, sur sa chaîne Twitch, twitch.tv. Oula, il m'a fait peur avec son truc de toutou. On dirait presque les travaux, là, arrêtez. C'est con, j'avais un trésor. Oh! Mais c'est quoi cette sortie de bille? La bête, elle s'éjecte carrément. Et j'aime pas du tout le bruit associé au. Ah, j'aime pas le. Alors, ça, c'était nul comme manœuvre d'éjection. Oui, merci.
Bon app à toi, l'ami de Vince. C'est très gentil, merci, merci. Effectivement, moi aussi, je suis nul, comme vous pouvez le voir. Ah, la pluie. Oh. Ah, ce fut court, mais ce fut bon. Waouh. Alors, comme ça. On voit que j'inaugure, hein, les scores sont symboliques. Alors celui-là, il m'a laissé une mauvaise impression. Il est bizarre comme... Enfin, je veux dire, elle, la table, est bizarre. Tu as sûrement joué sur Windows. Oui, oui. Alors, il y en a un qui était réputé sous DOS aussi. Tristan, qui vient, je crois, soit de Macintosh, ou Tristan, qu'on dit, qui vient soit de Macintosh, soit de l'Atari. Et... Oh, AJ. Et... Excalibur, ouais. Merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah, tu m'as déstabilisé, Jeff, il dit oui. Oh, ça peut bien. J'aime bien le montage graphique. Oh, en plus, il y a un bel arbre derrière. Ah non, c'est la foudre. Oh, c'est stylé. Yeah. Oh. Ah ouais, trop bien. Et je... Enfin, je connais. J'ai eu le vent que quelqu'un dans ma région est un fan, un inconditionnel de cette table de billard numérisée sur PC qui est Tristan. Et il joue qu'à celui-là en fait. Il a sa disquette ou son CD d'install qui le suit à vie. Et dès qu'il réinstalle son ordi, c'est le premier programme qu'il réinstalle. Et il y joue presque tous les week-ends. C'est bien, chacun son kiff, c'est son jeu de prédilection. C'est la table de billard électrique, virtualisée. Je suis mauvais, hein, pardon, mais ça je ne l'apprends pas. Mais vous êtes sérieux? Plus je joue, plus je perds. Oui, t'as aussi ta mission, c'est malin. Maintenant, je vais la rejouer, là, faut arrêter. Parce que là, pour le coup, la table me plaît, mais je maîtrise pas du tout. Alors, vite, je bois un coup le temps de l'intro lente et saccadée. Ouais, je suis d'un nullissime. Ça fait peur. Oh. Bah. Oh. Oh oh. Zéro de réflexe, c'est terrible. Oui. Ah bah ben non! Mais le jeu me punit! C'est pas possible! Restitue-moi ma bille de métal! Ouais, là, il est stylé, la zik. Je veux rejouer, rembourser. Bon, je suis motivé parce que je m'améliore, mais... Ouf!
Touk. Ah non! Oh. C'est apparemment, c'est bien, il a fallu que je me lance en direct pour que les travaux cessent. Ah bah, coup de bol. Ça, ça fait du bien quand ça s'arrête. Pas faire un tel rebond. Mais non, mais c'est abusé. Mais c'est fou ça. Je me demande, mais ouais. Ah si, c'est peut-être que ça se programme, mais ça doit être chiant. J'y joue au clavier, mais est-ce que je pourrais pas y jouer à la manette? Attendez, voir que je vérifie. DOSBox, il gère les manettes. Bon, là, c'est pas le cas. Dommage, hein, j'ai la chance d'avoir une manette branchée, mais. Faudrait que je bidouille dans les fichiers de config. À faire. Je pense que je me sentirais plus à l'aise à la manette qu'au clavier. Le barre d'espace pour lancer la bille et les shift gauche et droite pour les... je sais plus comment ça s'appelle ça en bon français. Les palettes. Le jeu se moque de moi. Ce jeu se moque de moi. C'est honteux. C'est un scandale. Ah! La manette, tu dois redémarrer le jeu pour te la prendre en compte. Ouais, ouais, mais ma manette en fait elle était branchée depuis le début que j'ai allumé l'ordi. Je me suis mis en profil jeu dès ce matin. Parce que je savais que je ferais que des bricoles aujourd'hui en bio, pas fort rien. Donc j'ai gardé, autant dire, ma profil de jeu de ce week-end. Merde, c'était l'autre. Oui, non, mais merci à toi de me le dire, tu fais bien, Guillemos. Attends, j'ai dit Guillemos, pardon. Guillemos. Tu vois, ça m'en a troublé que j'en ai perdu la bille, la boule. C'est pas grave. Bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Un jour, je ferai... C'est mon meilleur score, merde. Un jour, je ferai 100 000 points sur cette table. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Mais elle est belle, elle est stylée, les sons me plaisent. Oui, boire un coup, oui, tu as raison. Oh, Christian Burn. Ah, c'est une table faite pour moi, ça. Ça, c'est de l'IndyCar, ça. Ça, c'est des Formule 1 américaines. IndyCar. Ouais, ça dessine bien. Ben, ça présente bien le dessin. C'est quoi la musique? Ouais! Et c'est libre! La perte de billes ne compte pas! Bon, je verrai. Prout. Quoi? Mais ça va pas, non? Je ne le fais pas exprès.
Je me sens con. Alors. Mais oui, oui, c'est encore, oui, c'est toi qui prends la bille, oui. Tu m'étonnes. Ah! J'ai enfin décroché un truc. Game over. Ah, j'ai fait 5 millions de points. J'enchaîne les tables, elles ne se ressemblent pas. Incroyable. Non, non, c'est cette table m'est destinée. Course automobile. Oh, faudrait que j'en fasse la course automobile. Bon, là, tout à l'heure, je fais un peu de flat out. Mais il faudrait que je revienne à mes classiques de rallye, là. Oh, ça me manque. Oh, alors, peut-être que je vais m'organiser pour vous en faire demain ou jeudi. Je sais pas, je verrai. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah oui, ok, j'ai pas vu. What? C'est quoi cette sortie de téléportation du diable? Oui, 38 miles par hour. Je vais pas vite avec ça. Je suis en ville à cette vitesse-là. Oh, stylé. Ah, dommage. Ah, il y en a un autre petit sur la gauche. Ah! Mais... On ne sait pas où va aller la bille. Ok, merveilleux. Tu vas aller quelque part la bille ou... Ah. Hop là. Ah oui, il faut avoir le réflexe. Oui, vas-y. Oui, non. Ah, vilain. Ah, c'était pas mal là. Il y avait quelque chose. Mais allez, je la relance. Oui, je ah, je déteste cette sortie en téléportation de gauche droite à droite gauche. Ça me rend fou. Quand je dis que cette table est faite pour moi. Là, j'ai son temps en jeu. Là, c'est la classe. Oh, joli tableau. Joli tableau de points. Waouh, 5 fois 300 000. Oh mon dieu. Je vais faire un score stratosphérique. Qui l'eût cru? Ah non, pas comme ça. Ah. Ah. Eh ben, voyez, par défaut, cette table-là, c'est ma favorite. Oh mon dieu. J'ai fait 56 millions de points. Bonjour, Torota. Tu viens à l'heure du goûter, toi, encore. Oh, incroyable, j'ai fait 56 millions de points. Oh, trop bien joué, je suis fier. Youpi! Bon, faut que je retienne que la table Crash and Burn est ma table favorite pour le moment.
Ouais, bah oui, tu as ta sieste. Ouais. Bah merci à toi de venir faire un coucou. Ah, je sais pas si tu serais intéressé tout à l'heure. Dans mon programme, j'ai prévu de me faire du Flat Out 2. Donc, même Edge, hein, pour ceux que ça s'intéresse de venir me rejoindre pour du multi, je reste ouvert à ça. Par défaut, je me vois continuer ma carrière solo. Mais ça reste possible. Si vous êtes intéressé, dites-moi à peu près la plage horaire qui vous intéresse. Sachant que je rendrai mon antenne à 20h. J'irai pas au-delà de 20h. Parce que j'ai encore des locales à faire en soirée, à mon rythme. Magique! Quelle est cette table qui s'appelle Magie? Ah oui, moi aussi je veux un Kawedas. À défaut d'un Royal Flush. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait du poker. C'est quoi cette musique? L'attraction des clowns de l'enfer. Pour trois parties achetées, la quatrième est gratuite. Messieurs, dames, venez, c'est la foire. 18h, ok. Ah bah je retiens pour 18h flat out. Okidoki. Et pour les crèmes glacées, vous pouvez avoir jusqu'à 3 boules. 3 parfums différents, ouais. La chantilly est un supplément. Qu'est-ce que c'est cette musique? Ça va me rendre ma boule. Mais c'est quoi cette table? Ah, j'arrive pas à la jouer. Au secours. C'est scandaleux le mouvement qui vient de se passer là en bille de métal. Je dis non! Et leur jeu d'anneaux au milieu là, de cerceaux les uns dans les autres, j'ai l'impression de voir le logo automobile allemand Audi, mais après un accident. Ça parle mal! Bon, cette table là me déplaît. Je suis désolé, surtout que mon score est misérable. Voilà, je suis passé de 50 000 points à 5975. C'est ce qui s'appelle une humiliation, symboliquement. Oh, la jungle. Jungle pinball. Je sais pas ce que ça vaut. La jungle pinball. Oh, que c'est beau. On dirait l'habillage graphique des. Bah oui, des bons vieux jeux là. Bon vieux jeu Atari. Atari et Amstrad PC. Je dis oui. Jill of the Jungle. Jill de la Jungle. You. Je suis sûr qu'il y a un serpent caché dans cette jungle. Ah bah oui, tiens, faut que je le dise pour que je le vois en énorme dessiné sur la droite. À gauche, pardon, je suis plus la droite de ma gauche, tout va bien. Oh, cette musique. La musique de Chouaïa, là. Voilà. Chevaucher le serpent. Ouais, des serpents. Down.
Ah merde. Ah merde. Zéro de réflexe. Oh. Ah. Privé de bonus, c'est cruel. Mais non, mais... Alors c'est, là, par contre, la table là, je vais la rejouer. Là, là j'étais frustré. Une nouvelle fois. Du on y retourne. Attends, l'autre animal, c'est quoi? C'est un scorpion, là? On est sur la droite, en rouge, au-dessus du L, le dernier L de Jill. Il est presque une écrevisse. Ah, c'est une fourmi! D'accord, j'ai lu le dessin à l'envers. C'est une fourmi de la jungle. La fourmi de la jungle. Ah merde, les ouvriers sont encore là. J'ai entendu du grabuge, peut-être que vous aussi vous l'avez entendu. Du grabuge de... des camionnettes de travaux. Là. Ah! Pic-pic-pic-pic-pic-pic. J'aime pas la trajectoire de la bille. Non! Comment le jeu m'a refusé de renvoyer la bille? C'est scandaleux. Oh, ouais, que j'envoie une capture d'écran à Poupon. Je serais curieux de savoir s'il a connu ce jeu. Ah, mais non! Je suis bien Moïse. Ouais, dans la semaine, je prendrai une capture d'écran, puis je l'enverrai à Poupon. J'ai envie de lui poser la question. Allez, table suivante. Et quand j'aurai découvert, je crois qu'il y a 8 tables. Donc là, je sais quoi, c'est la 6ème. Quand j'aurai fait les 8, je basculerai sous Arx Fatalis. Arx Fatalis, où j'en suis dans la quête, normalement, il y a du grabuge à nouveau dans la... On le verra dans la... Ah non, il y a... Oh la vache! Il y a combien... Attendez, il y a combien de tables? Il y en a beaucoup plus que je ne pensais. Je suis 8, 10, 12, 13. Oh, il y a 13 tables! Je croyais qu'il y en avait que 8. Oh mon dieu! Bon bah je suis en train de faire du flipper pendant encore une heure, moi. Tant mieux! Mais je suis impressionné. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Incroyable! Oh, je suis... Et ça c'est une bonne surprise. Je suis ravi qu'il y ait autant de tables. Oh, je crois qu'il y en avait moins dans la collection. C'est fou. Oh, c'est soigné le graphisme. Là, alors là, le graphisme est beaucoup plus fin que sur les autres tables. Oh, c'est magnifique. C'est tellement magnifique que j'ai du mal à distinguer la bille. Ils auraient dû la mettre dans une couleur... Là, j'ai le cerveau qui fume parce que j'ai du mal à voir où est la bille.
Oui, j'adore ce mouvement. Mais encore. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Oui, la barrière de corail, j'adore le corail, je suis à fond dedans. Ah, les hippocampes. Le quatuor des hippocampes. Secours! J'ai peur. Merde. Encore. Oh non! J'étais dans une dynamique de victoire merveilleuse. C'est quoi ce score de ma boule? Le milliard! Le milliard! Allez, carrément, soyons enthousiastes! Oh merde! Faut que je dise ça pour que je le fasse avoir! Yeah! Et voilà le score qui part en vague. Et là, un surfeur. Dans le thème de la table. Ah! Enigma. Oh, il y a Cyborg Girl. Ah mon dieu. Le tableau d'après, j'étais honte d'avoir. Est-ce que c'est comme le premier, mais avec des gros lolos? Ah oui, la table est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ça a le mérite d'être original. Non mais vous êtes sérieux? Coucou. Bonjour Twinsen. Qu'est-ce que c'est que cette table? J'ai vu la casse de rythme de la balle. J'ai dit merde, la verticale au centre, c'est pas bon. Ça veut dire par ici la sortie. Ah! Détruite par une mine. Ce jeu rend fou. C'est très original. Waouh. Oh. I. You. Oh.
Ça me rend fou. Pourquoi avoir rajouté des objets bonus dans le... Mais elle est pas visible, cette bille, faut arrêter. Mais vous êtes pas sérieux, les gens. Oh là là, oh là là. Oh, puis c'est un casse-bite maintenant. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai rien contre le mélange déjà, au contraire, ça fait parfois des jeux super intéressants. Mais non. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas ce niveau. Ah, c'est une expérience vidéoludique troublante. Bon, bah, ah, alors là, la Cyborg Girl, je demande à voir. Sur quoi je vais tomber? On peut tout imaginer. On va voir qu'elle va avoir une poitrine super siliconée, mais avec des LED électroluminescentes en guise de téton. Ah, j'ai... Une suspicion de... Suspicion d'avoir vu juste. Qu'est-ce que c'est que cette table? Non, j'ai mal lu. Cyber implant. Ouais, cybernétique implant. Il y a un truc comme ça qui écrit. Ouais, cybernétique implant, ouais. Pas mal. Non mais c'est trop... Graphiquement c'est trop chargé. Mon cerveau il suit pas. Oh mais tu as le fantasy. Ah ouais. Et vélo. Ah. Mais c'est bizarre comme renfoncement de... Oh la vache, va jouer avec... Mais elle va sortir la bille ou crotte? C'est bizarre comme dessin de... Très très original. De réflexe. Super quoi? Ah, super implant. Et troisième libère, la Cyber Girl. Vous l'entendez comme moi, le petit jouissement qui me fait délirer. Je peux pas rester concentré avec ce genre de son. Oh, le game over il se fait en bas ici. Justement parce que graphiquement la table est tellement chargée qu'on l'aurait pas lu au milieu de l'écran. Ah, c'est marrant ça. Non, j'avais dit quoi? Ouais, j'avais dit comme ça, SDL, ça je m'en fous. Ça a vachement mal vieilli les flippers sur ordi, ouais, tu trouves. Mais il y a peut-être aussi le fait que j'ai mal configuré mon... Tu vois, j'ai des latences alors que je suis sous DOSBox. À notre époque, c'est inconcevable d'avoir des latences sous DOSBox. Il y a tellement peu de choses à calculer, c'est moi qui ai du mal configuré. Je dois avoir des... Je suis pas acharné à la config du DOSBox, et il faudra que je revoie ça. En plus, je crois que j'ai un rendu qui est pas... Qui est pas correct, faut que j'envoie plusieurs trucs, tu me cèdes. Tu vois, j'ai lancé à la chiasse dans le sens que je me suis soucié que du son et du cadrage. Pas de la qualité de. Mais je peaufinerai à l'avenir, c'est pas grave. Ah, la Pangée! Pangea, eh oui! À l'époque où notre planète n'avait qu'un seul et unique continent. Oui, je pourrais finir sur le flux LOL, via électrique de Windows 95, ouais, ouais. Et on en parlait tout à l'heure, ça, et puis le démineur. J'aime bien ces jeux-là.
caverne. Et quoi? Mon dieu, comment qu'elle est sortie la bille? J'ai pas compris. Oh, mais c'est dégueulasse! Pourquoi il renvoie la bille à la sortie? C'est honteux! Qu'il me renvoie au moins en influence de la palette! Que je. Merde, j'arrive à frapper la bille! C'est pas comme si c'était le principe du jeu! Ouch! Ah! J'étais gojoluche! Ah, déjà game over, génial. Et ben je l'ai dans le anus. Alors, il y avait un code de triche au démineur et... Ah oui, tu me l'avais dit. Ouais, tu me l'avais dit. J'ai jamais expérimenté. Faudrait que j'expérimente le code triche en démineur. C'est vrai, tu me l'avais déjà expliqué. Et il existait aussi, pour ceux qui voulaient simuler honteusement de la productivité en entreprise, alors pas les versions modernes de Microsoft Office, mais les premières versions de Microsoft Office, je me demande s'il n'y avait pas sur la suite Lotus, Lotus 1, 2, 3, la Lotus Word. T'avais une combinaison de touches qui était assez balèze, mais en fait, dans le code du logiciel, t'avais des chapitres entiers de bouquins célèbres. Alors peut-être pas la Bible, mais... Et en fait, ça simulait à la vitesse de frappe d'un humain, comme si t'étais en train de faire une saisie. Donc tu pouvais simuler comme quoi tu faisais... Voilà. Un travail de rédaction, alors que c'était pas du tout le cas. C'était chier. Oh merdoum. Merde. Oh, excusez-moi, mais je joue très mal. La table là, elle est pas faite pour moi. Ah, mais, une horreur. Oui, oui, les musiques sont d'époque, quoi. Oh. Non, mais la table, elle est pas faite pour moi, là. J'ai l'impression que tout est dirigé vers la sortie hyper presto. Attends, on va voir la suivante. Oh, voyage dans l'espace. Space Journey. Hyperspace. Là j'aime bien le dessin graphique. Putain la vache. Trop dur. Merde. Pourquoi j'ai pas eu le réflexe? Je me suis laissé endormir. Non. Non. Je pensais la relancer avec l'autre palette, mais... Oh merde, oh non, j'y étais encore jamais allé là.
Ah bah Game Over. Je vais la rejouer. Je vais la rejouer. Ah, il y a du multiball. Je sais pas si... Non, je pense pas que c'est systématique à toutes les tables d'avoir multiball. Sage de Nanchy. La boule est pas super réaliste. Ouais, wow. Faut s'adapter. Ouais. Mais c'est beau, c'est varié. Je m'attendais pas autant de contenu. J'étais parti sur me dire que j'avais acheté un lot de 8 tables, mais d'avoir constaté qu'il y en a 13, ça fait plaisir. J'ai plus de tables de billard dans ce jeu-là. Bah. Que souvenez-vous dans mon adaptation de billard d'Atari là sur ma PS3. Je le referai sûrement cet été d'ailleurs. Mais c'est une calamité, mais qu'est-ce que je fais moi? Oh, 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 ce jeu est cruel. Ah, la première fois que je suis sur la rampe aux astéroïdes. Parish Bash, je dis oui. Oui. Alors, parfum de la galaxie. War Million. Ah, Game Over. Ah, c'est intense ce tableau-là. Bah, j'ai fait un score honorable. Ah non, moins bien qu'avant. Je vais y aller. Allez, le suivant, c'est quoi? Ouais, de temps en temps, j'aurais plaisir à me faire ça. Vrai que je regarde. Je sais que j'ai une version de DOSBox que je m'étais installée sur mon Linux quand je bosse. Il faudra que je vois. J'apprécierais de me faire ce genre de pause déjeuner en semaine. Peinard, là, souffler un coup, me faire une petite table de. Il faudra que j'essaie de me mettre en place ça prochainement. Ça me fera du bien. Quoi? Ah ouais! Le thème, ce sont les jouets de l'enfance. D'accord. T'as eu quoi? Jouer quoi? Ah, usine à jouets. Toy Factory. C'est trop chargé graphiquement, mon cerveau suit pas, j'ai pas décrypté la table. Ok. Bien ça de s'exciter sur le. Non, mais non. C'était un scandale. La musique est extra. Pas chiant du tout la boule, mais alors pas chiant pour un son. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Non! Oh, Game Over. Dur. Alors, en conversation, j'ai joué sur une vingtaine de vrais flippers avec un mec avec ramené. Ah! D'accord. En conversation, oui, convention, j'allais dire. Le mot était pas pourri. Des vingtaines de. Putain, c'est trop la classe.
Une vingtaine de frimeurs, trop classe. Attends, je vais réessayer comme une fois le tableau là. Vas-y, là, tu le frottes un peu. Ah, sympa. Il y a les. Celui qui est justement sous. Sous licence là, sur mon PS3 qui est plus réaliste. J'allais dire Cabela, mais Cabela c'est le simulateur de chasse. Merde. Les fidèles de mon canal, vous savez de quoi je parle. J'ai plus le nom, mais vous le voyez. Les flippers super classe là, américains. Mais non, mais. Quand je vous dis que le jeu se moque de moi. L'autre il m'éjecte directement dans la sortie. Oui, les pitbulls est fixe, ouais, j'avais noté, ouais, exact. Exact. Bah, celui-là, les pitbulls, je l'ai acheté chez GOG. Il vient de chez GOG et voilà, il m'a rappelé le... la nostalgie de l'adolescence quand j'avais la version démo avec le seul tableau du cyborg Android du début. Là. Ça me fait bizarre de me dire qu'un quart de siècle plus tard. Enfin, un quart de siècle. Oui, si, un quart de siècle plus tard. Je suis vieux. Aujourd'hui. Ça fait bizarre de, voilà, de découvrir la version complète payante. J'en rêvais la nuit, moi, quand j'étais ado, moi, d'avoir fait le tableau. Enfin, je serais plus sorti de chez moi, à mon avis. Avec 13 tableaux à jouer, là, je serais devenu tout fou. J'aurais pu décrocher de l'ordi. Peut-être un mal pour un bien finalement. Comme le dit aussi sagement le Dalai Lama, il faut savoir parfois se réjouir de ce qu'on n'a pas eu. C'est pas faux. À méditer. Bon, et bah dis donc. C'est pas de court. Ça demande vraiment un mental de concentration et cette discipline là, waouh. Mais ça défoule, c'est beau. Je dis oui. Ah, la dernière. Le safari africain. On va aller en Afrique. Oh, il est beau le lion. Oh, c'est la table dédiée à Nayone. Notre lion de Nancy. Oui, Broforce, ouais, et bah tu sais quoi, Broforce, je l'ai noté dans mon titre d'aujourd'hui. Je vais peut-être finir, ça dépend à quelle heure je finis. Quand tu verras, je vais faire du flat out 2 avec ton retard, on va peut-être pousser jusqu'à 20h, ma limite. Mais le Broforce, tu sais, il est dans la. Dans le Joker contenu. De toute façon, si je le fais pas aujourd'hui, Broforce, je le ferai demain ou après-demain. Donc. Alors là, par contre, c'est des couleurs vives, ça pète aux yeux les couleurs vives. Waouh! Là, j'ai un effet consommation de drogue hallucinogène. Je sens les couleurs et je vois les odeurs. Là. C'est... Ouais, mes sens sont troublés. Non! Oh non, 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 et je vais rejouer là. Non, mais c'est abusé, c'est quoi de ce jeu de flipper là? Non, mais dis donc, vous. C'est un cauchemar. C'est beau, mais c'est dur. Allez, encore un coup, et puis je bascule sous Arc Fatalis. Petit souci, j'avais effacé Flatout 2 pour mettre Assassin's Creed, je me retape tout pour jouer en multi. Mais. Attends, je te comprends pas, Torota. Flatout 2, il faut reprendre les exécutables que nous avait passé Nayone en coulisses. Et t'as tout de suite accès au multi, Torota. T'inquiète pas, c'est moi qui hébergerai la partie et les tracés. T'as pas besoin de déverrouiller quoi que ce soit en mode carrière, Torota. T'en fais pas pour ça. Non mais, hé, c'est un cauchemar, là. Le jeu se moque de moi. Ah ah ah!
Ouais, peut-être des fils de stockage, oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai déclaré en safari, moi. Je sais pas si c'est un cri qui peut attirer des animaux. Mais non, mais... Mais comment je les ai fumés, mes 5 boules? Oh. Mais non, mais... Mais j'espère bien que je peux encore essayer. Non, mais t'as vu la frapper... Ce jeu se moque de moi. Simuche. Mais non! Je déteste cette table. C'est officiel. Non, j'ai désinstallé. Du coup, le problème de multi, c'est désinstallé. Ouais. Waouh. Si tu le dis. Ah, oh mon dieu. Ouais, j'ai posé 5 boules. Bah, tu vois, quand tu dis ça, tu me fais penser au premier boss de Borderlands qui annonce la couleur, là. 9 orteils. Dans l'illustration, ils disent, ils précisent, et il a 3 boules. Ah ouais, l'intro, elle est géniale. Bah, du coup, je l'ai clippé parce que c'est tellement fou. Le coup, il dit, t'as fait chier la mauvaise personne. Ah ouais. Excellent. Amaya. Alors attention, comme les professionnels, j'ai programmé des transitions. Brah. La classe. Brah. Ah merde, faut pas que je fasse trop souvent parce que je suis sauté le truc. Mais c'est stylé, c'est bien. Non, sérieusement, il faut que je déclare Arx Fatalis parce que ça va être la suite.